Je vais commencer par un petit détail, l'âge auquel j'ai appris le terme ethnographie. C'était en 1945, donc juste après la guerre, à la naissance de mes sœurs jumelles, les septième et huitième enfants de la fratrie. Et on m'a envoyé, on a dispersé les autres enfants, c'était quand même pour ma mère, donc sept et huit enfants, tout un événement. On m'a envoyé en Suisse pendant l'été, dans une famille qui avait hébergé mon père pendant la guerre, quand il était officier de liaison auprès de la division polonaise qui avait fait la guerre en France, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait bloqué l'avance allemande dans le Jura jusqu'à ce qu'ils se trouvent à court de munitions. Et à ce moment-là, ils avaient préféré passer la frontière suisse en rendant leurs armes aux Suisses plutôt d'être faits prisonniers parce que les Allemands fusillaient systématiquement. Ils les considéraient comme des traîtres. Et j'ai été donc dans cette famille, mais pour y aller, j'ai été en train. Je suis passé par Bâle. Et à Bâle, il y avait là la famille Bühler. Monsieur Bühler était directeur du musée ethnographique de Bâle. Et sa femme, pendant la guerre, s'était occupée de ces internés, ces militaires internés polonais, en leur apprenant à fabriquer, je pense, des espadrilles, à filer des semelles d'espadrilles, enfin bref. Et puis, elle s'était intéressée aussi, elle avait appris à mon père le braille. Comme ça, il pouvait, pour des aveugles, écrire des textes ou transcrire des textes. Donc, j'ai été reçu par la famille Bühler, où j'ai passé plusieurs jours. Et M. Bühler m'a amené dans le musée ethnographique, où il avait son bureau de directeur. Alors, j'ai visité ça et j'ai appris le mot ethnographique. Donc, j'avais donc 9 ans et très fier d'apprendre ce mot-là. Et puis, à la fin du petit séjour de quelques jours, il m'a fait venir dans son bureau et m'a donné une bague en ivoire amérindienne. On voyait une tête emplumée d'Iroquois. Il a ouvert, il m'a donné, je pense, un petit poignard et il a ouvert une boîte remplie de timbres du monde entier. Il en a pris une poignée et m'a mis ça dans un petit sachet transparent et m'a donné ça comme cadeau. Et ça, c'était mon apprentissage du mot ethnographique et puis découvrir qu'il y avait des Indiens en Amérique. Enfin, bon, on en parlait un peu, on jouait parfois aux Indiens, mais c'était encore une époque où le cinéma, enfin, le lendemain de la guerre en plus, était plus ou moins encore limité dans son extension. Sinon, je suis un enfant de la guerre, donc j'ai connu, j'avais 4 ans au moment de la déclaration de la guerre, j'ai connu l'exode. Mon père, donc, qui avait 5 enfants à ce moment-là, était normalement dispensé du front comme chef de famille, mais il s'est quand même engagé volontaire. Il a d'abord été envoyé comme instructeur militaire, il était officier dans la cavalerie à cheval, dans l'artillerie à cheval, pardon. Et donc on l'a envoyé comme instructeur à Poitiers, où il y avait une école d'officiers, je pense, ou de sous-officiers. Et puis est arrivée la division polonaise dans les Deux-Sèvres. On a déménagé à Tenzet, et là, comme il avait appris le polonais après HEC, il avait été faire un stage de 2 ans, qu'il était très doué en langue. À l'âge de 5 ans, il parlait déjà 4 ou 5 langues. Il était né en Roumanie, où mon grand-père dirigeait une exploitation de pétrole française, là-bas. C'était là-bas, la Roumanie, le centre un peu du pétrole de l'époque pour l'Europe.
Et il a appris le polonais, il parlait couramment le polonais, au point que même plus tard, il était abonné au journal des Polonais de France, et parfois, et ça, ça me plaisait pas toujours, il me prenait quand je rentrais du lycée pour me traduire, par exemple, un article sur Claude Lévi-Strauss dans le journal des Polonais de France, alors traduit au mot à mot. Bon, ça, c'était mon père, un juriste qui avait voulu devenir prêtre. Il avait perdu sa mère à 14 ans, quand elle avait donné naissance à son 14e enfant. Donc, on voit un genre de famille. Donc, ma grand-mère, que je n'ai jamais connue, paternelle, était descendant d'une vieille famille espagnole de carlistes qui avait fui l'Espagne au moment des guerres espagnoles pour Cuba, et un autre aïeul qui était dans la marine espagnole avait fait escale, on est là au fin 18e siècle, et enfin, et pour l'un et puis pour l'autre milieu du 19e, et donc il s'était marié là-bas, il avait connu son épouse là-bas, et mon aïeul de ce côté-là est un enfant posthume, parce qu'il est reparti en campagne, et puis son bateau a coulé, sans doute dans une bataille navale à l'époque. Bref, tout un côté hispanique dans mon ascendance, et cette grand-mère, très catholique, et famille nombreuse, etc. Mon grand-père, lui, était à moitié alsacien, moitié versaillais. Bref, c'est toute une histoire. Mon père, donc, officier, patriote, il n'avait pas connu, participé à la guerre de 14, il est né en 1906, mais un homme straight, juriste, parfois on en a un peu souffert d'une autorité très patriarcale, mais bref, il s'intéressait néanmoins à ses enfants. Un de mes souvenirs très anciens, j'avais 3 ans, c'était quand il m'a fait monter sur son cheval. Il y était, et puis je ne sais pas qui m'a tendu, il m'a fait asseoir sur cette bête qui me paraissait gigantesque, et je crevais de trouille. Mais ça, c'est un souvenir que j'ai gardé. Et puis ensuite, quand l'armée polonaise, enfin la division polonaise était à Tenze, il passait en revue quand le général polonais ou le colonel, je ne me souviens plus, venait, et c'est mon père qui donnait les ordres. Et avec mon plus jeune frère, on s'amusait, on était copains avec les soldats polonais, j'ai appris des mots de polonais. Rasva, Tchelli, Lieva. Lieva. 1, 2, 3, gauche, gauche. Et on passait dans les rangs, ce qui les forçait, pour pas qu'on tombe, à se mettre au garde à vous. Alors mon père, furax, et on goûtait à la cravache de cavalier après ça. Donc mon père tournait la tête, faisant semblant de pas voir. Alors du coup, les soldats polonais nous aimaient beaucoup. On allait à la cantine, parfois ils nous donnaient une cuillerée de leur potée. Bref, ils sont partis au front. Ils sont partis au front. C'est là qu'il s'est engagé volontaire pour le front. Et bon, il nous a laissés à Tenze. Et puis alors, tous les cousins arrivaient de partout, du nord de la France. C'était l'exode. À un moment donné, il y avait 40 voitures de cousins, etc., qui savaient qu'on était là. On était plus près de Bordeaux, où le gouvernement s'est réfugié finalement. Et bon, ils sont repartis ensuite. Et un matin, je me souviens, mon père était parti dans le Jura, par une lucarne du grenier, j'ai vu l'arrivée d'une colonne de blindés allemandes qui entrait dans la ville. Et quelques jours avant son départ, mon père avait demandé à son ordonnance de venir trafiquer un peu de la voiture familiale qui était, je ne sais plus trop, c'est une voiture décapotable mais familiale, et les Allemands étaient très friands des voitures décapotables.
Et donc, je ne sais pas ce qu'il a fait dans le moteur, soit il a enlevé une petite pièce pour qu'il ne puisse pas la démarrer. Parce qu'il raflait toutes ces voitures-là, ils en avaient besoin pour eux. Et surtout pour ne pas qu'elles puissent servir. Et donc, après leur passage, on est remonté vers la région parisienne. Et ma mère conduisait avec, sans doute, je ne sais pas qui était... Et il y avait la femme de mon parrain, un frère de mon père, qui avait une petite voiture, et moi, j'avais le privilège, une petite Simca, d'être avec la tante. Il y avait des matelas sur le dessus des voitures pour se protéger en cas d'attaque aérienne. Et on est remonté vers Paris. Et là, en s'arrêtant chez une cousine, une grand-tante de ma mère, qui possédait une propriété, le château d'Arny, qui a été racheté depuis il y a quelques années par le Centre d'études atomiques français dans les Yvelines, si je ne me trompe pas, près de Bruyères-le-Châtel. Et on a été hébergés donc, pendant un an qu'a duré l'internement de mon père en Suisse. Alors, le gouvernement Pétain a négocié avec la Suisse pour que les Français qui étaient passés en Suisse puissent revenir. Et je me souviens qu'un matin, on sonne à la cloche d'entrée de ce manoir, ce petit château d'Arny, et je vais ouvrir et je vois un militaire avec képi qui demande le nom de ma mère. Alors je vais parler très vite, criamment: maman, maman, il y a un grand officier à la porte. J'avais pas reconnu mon père. C'était lui qui revenait. Et quelque part, avec mon frère, on avait commencé à prendre de mauvaises habitudes en son absence. Et il nous a remis un peu... Et alors, on a passé une autre année dans une maison qui était dans le domaine. Et là encore, on a fait des coups pandas. Parfois, on se sauvait. Il y avait un immense parc et des terres qui entouraient ça. On nous a cherchés parfois pendant une demi-journée, on se cachait dans la forêt. Puis un jour, on a failli mettre le feu à une grange, on jouait avec... Enfin bref, ça c'est les souvenirs d'enfance. Et on est revenu quelque temps à Paris, où mes parents, mes grands-parents maternels, avaient été expulsés d'Alsace quand les Allemands sont venus. Ils étaient très nationalistes français. Ils avaient connu l'époque avant la Première Guerre mondiale, quand l'Alsace était devenue allemande. Et dans la famille de ma mère, elle est née en 1910, donc c'était encore allemand avant la fin de la Première Guerre mondiale, on parlait français en cachette. Et donc ils étaient connus pour des nationalistes francophiles en Alsace, de Mulhouse. Et ils se sont réfugiés à Paris dans notre maison familiale qui venait du côté de mes ancêtres espagnols qui avaient appuyé la première révolution cubaine contre l'Espagne à l'époque. Et il y avait eu de la répression, mais l'aïeul qui était prof de droit à La Havane a préféré quitter Cuba, est venu en Belgique où... Et puis, un de ses anciens étudiants est venu le voir un jour, qui lui était à Paris, un autre descendant d'une famille carliste, et qui était venu faire des études de chirurgie, et puis finalement, qui est devenu peintre, qui était un ami de Dufy, etc. On l'a retrouvé, il prêtait de l'argent à des amis peintres, bref. Et on a gardé quelques... Je n'ai rien ici de lui, mais j'ai des reproductions de tableaux de cette époque. Et donc, l'aïeul est venu de Belgique à Paris, et ils ont acheté dans la périphérie de Paris, il y avait une petite cité qui s'était développée sous le Napoléon III, et où les dignitaires achetaient ce qu'on appelait, ou se faisaient construire ce qu'on appelait des folies, pour entretenir leurs maîtresses.
Donc des maisons avec une architecture un peu folle, où on voit parfois le portrait du monsieur et de sa belle, etc. Mais bon, là, notre maison, donc, qui a été achetée dans le dernier quart du 19e, avec des petits jardins, c'était une voie privée, ça a été englobé dans Paris. Et Paris s'arrêtait à la place Clichy avant, il y avait donc des octrois, puis ça a été prolongé jusqu'à ce qui est maintenant la porte de Clichy. Et la petite cité des fleurs a été un peu classée il y a peut-être une trentaine d'années comme site protégé, mais j'ai donc passé aussi quelques années de mon enfance dans ce petit coin cité des fleurs, donc avec des jardins, et on n'avait pas le droit de construire des maisons de plus de 4 étages. Alors il y a le petit pavillon familial qui est resté dans la famille, ce sont de mes frères et sœurs qui possède divers étages, et on s'y retrouve de temps en temps pour des réunions familiales. Donc, on est parti ensuite dans le Jura, où mon père a eu une situation comme juriste d'entreprise, et là, on était près de Bellegarde, donc dans l'Ain, le département de l'Ain, pas très loin finalement de Genève. Mais on était un peu en dehors de la ville de Bellegarde, dans un petit lieu-dit, et il y avait beaucoup de maquis. Et donc, ma mère, qui avait fait son bac et quelques études comme infirmière, qui était un peu garçon manqué, deuxième fille de 3, il y a eu un frère sur le tas, et provincial. Donc, venu à Paris, elle avait posé ses conditions quand mon père et elle se sont fiancés. Ça l'effrayait un peu, la vie parisienne, surtout cette famille très nombreuse, un peu patriarcale. Donc, il fallait un petit jardin, elle voulait avoir ses fleurs. Et puis, et donc, ce sont mes attaches. Et alors, des souvenirs de la guerre dans le Jura. Et l'armée allemande est passée à certains moments, y compris des Cosaques. Quand l'Allemagne qui avait occupé l'Ukraine avait recruté des troupes là-bas, et je me souviens quand les Cosaques ont débarqué à Bellegarde et sont venus jusque dans notre lieu-dit, un jour j'arrive, j'avais peut-être 7 ans, je dis, maman, j'ai vu Hitler, comme on disait les enfants. C'était un cosaque avec son bonnet de fourrure, bref, un accoutrement que je n'avais jamais vu, des fusils mitrailleurs avec des bandes de cartouches, enfin de balles en bandoulière, bref, l'horreur. Et puis sans doute un faciès que je ne connaissais pas. Et alors, ils avaient des mulets. Donc, on les voyait de l'autre côté de la vallée qui passaient sur la route avec des véhicules, des mulets à cheval. Et on disait, ils coupaient les doigts pour voler les anneaux en or, les bagues. Bref, ça a été la guerre. Et un jour, la résistance a pris la ville de Bellegarde. Puis les Allemands l'ont reprise, ont brûlé la maison du maire. Et alors, avec mon frère, on voulait à tout prix aller voir la maison qui brûlait. Enfin, on entendait le canon, on entendait... Et ma mère soignait des blessés résistants. On était donc un peu à l'écart. Et mon père a participé à des gardes armées avec les résistants, mais restait à la maison. Et je me souviens, une nuit, on est venu cogner à la porte, qui était une porte avec du vitrage, c'était un officier allemand qui passait et qui a vu un peu de lumière. Mon père nous faisait faire pipi au milieu de la nuit, on était quand même 5, et il y avait le couvre-feu tous les soirs, donc la moindre lumière, et voulait emmener mon père, et mon père parlait allemand très bien. Donc je lui ai expliqué pourquoi il avait dû... Et l'officier a vu un vélo dans le petit couloir de la maison, donc a réquisitionné son vélo, mais est reparti sans l'arrêter. Et puis, un autre jour, ils ont raflé tous les hommes
du lieu-dit et sans doute des lieux-dits voisins. Donc ma mère avait préparé un sac à dos avec un petit code secret pour correspondre avec lui si on l'emmenait prisonnier. Ils ont emmené pendant une demi-journée, ils les ont fait marcher, puis aligner contre le mur d'une église, et puis comme s'ils allaient les fusiller. Mais ils ont tiré en l'air et leur ont dit que ça devait leur servir de leçon, et s'ils collaboraient avec la résistance, on ne leur ferait pas de quartier. Donc ça, ce sont les souvenirs. Et puis il y a eu la fin de la guerre, la libération de Paris, et nous sommes revenus à Paris, où on a passé quelques mois, et mon père a trouvé une autre situation comme juriste d'entreprise dans le nord de la France, près de Douai. Et c'est là que j'ai été scolarisé. Donc j'ai fait mes études secondaires là-bas, jusqu'à ce qu'il crée un cabinet de défense juridique, lui-même, à Paris et à Lille. Donc on s'est réinstallé à Paris. Et là, c'est là que j'ai terminé mon secondaire. Je suis entré au lycée Carnot en première. Et ça a été pour moi là, une année extraordinaire. J'avais un vieux professeur, j'avais fait des études classiques, latin, grec, allemand. Et ce professeur nous a passionnés. Et je ne sais pas comment ça m'est venu, je croyais avoir une vocation artistique. Donc j'allais visiter les musées de peinture, suivre des cours de dessin, des cours du soir dans la municipalité. Et j'avais un bon copain qui partageait ses goûts et qui a fait après, je crois, les métiers d'art, enfin. Et on philosophait, c'est-à-dire autour de la peinture, etc. Et du coup, je ne sais plus, c'était au troisième trimestre, on a eu un grand essai à faire, on appelait ça une dissertation. Et on a traité ça de façon originale en utilisant ce savoir extra-scolaire. Et le prof, quand il a rendu les copies, a dit « Écoutez, il y a deux copies que j'ai mises à part parce que c'est pas possible que ce soit des étudiants, mes étudiants qui les fêtent. C'est l'autre. » Et donc, il nous a gardés après la classe pour nous rencontrer, chacun, séparément, et nous demander des explications. Qui avait écrit ça? Alors, on s'est défendu et on lui a expliqué comment on avait utilisé ces expériences. Visite de musée, discussion sur l'art, etc. Et il nous a mis, j'avais jamais été un brillant élève, j'étais moyen. Et là, ça, il y a quelque chose qui s'est déclenché et j'ai obtenu mon bac. Bon, je me passionnais, j'ai jamais été très fort en thème, mais j'étais excellent en version. Je n'avais pas mon pareil pour trouver dans le Gaffio ou dans les dictionnaires grecs des citations. Donc, parfois dans un texte, en cherchant bien dans le dictionnaire, on trouvait la citation complète et qui permettait d'avoir une traduction bien meilleure que si on faisait mot à mot. On trouvait des phrases comme exemple. Et j'ai eu la meilleure note du jury et le prof pensait que je parlais le grec moderne. Et à l'oral, quand je suis arrivé à l'oral où il m'attendait, il me dit, mais il a commencé à me parler en grec. Alors, bon, j'ai fait celui qui était ému, timide, etc. Et puis, il m'a dit, mais écoutez, choisissez le texte que vous voulez. Alors, j'en ai choisi un. Il a vu que, bon, alors il a mis ça sur le plan de l'émotion. Mais, donc, j'étais quelqu'un d'intuitif et j'arrivais peut-être à deviner, à entrer dans le texte et ce qui donnait cette impression.
et que finalement, dans ma vie, j'ai collaboré beaucoup avec des gens forts en thème, eux. Donc, qui n'avaient pas ça, mais qui étaient capables, eux. Carrément, je pense à Louis-Jacques, qui est devenu un très grand collaborateur et ami et collègue, et qui, lui, inventait des chansons en inuit, etc., et donc, que je classerais, moi, dans les forts en thème. Mais il faut des deux pour faire la science et tourner le monde. Alors, voilà, Carnot, c'était ça. Donc, premier bac, avec une très bonne note, et mon père, j'étais le premier de la fratrie, a passé le bac. Donc, ma sœur aînée avait eu des problèmes de santé jeune. Donc, on avait été souvent dans la même classe, elle et moi, même si elle avait un an de plus que moi. Et puis, elle avait dû interrompre ses études pendant un ou deux ans pour des raisons de santé. Bref, j'étais le premier. Mon père, très fier, m'a donné 20 000 anciens francs en me disant « Tu vas pouvoir passer l'été où tu veux pendant tes vacances. » Et j'ai décidé d'aller visiter les musées de peinture de Hollande. Et c'est là que mon copain me dit « Écoute, moi, j'ai pas eu le bac, mais j'ai été reçu à l'école des métiers d'art. » Et il n'a pas pu venir, mais il m'a indiqué un de ses copains qui venait d'être reçu à Sciences Po, qui serait très intéressé. Et nous sommes partis en péniche vers la Hollande. Et là, on a découvert le stop, on a visité tous les grands musées de peinture de Hollande, et puis on a continué jusqu'à ce qu'on soit pris en stop par un Hollandais qui nous dit « Mais pourquoi vous ne continuez pas? Vous n'êtes plus très loin de la frontière allemande du Nord. Hambourg n'est pas très loin. » Et puis Copenhague, il dit « J'ai un bon copain qui est marié à une Danoise à Copenhague. Si vous y allez, je vous fais un petit mot, et puis je suis sûr qu'il vous hébergera. » Ce qu'on a fait. On a découvert Copenhague, on a visité et tout, et là, le copain devait rentrer en France pour la rentrée de Sciences Po. Et moi, j'ai vu que la Suède était tout près, en face, et j'ai décidé d'aller voir si mon ancêtre espagnol, qui avait un nom suédois, et la tradition disait qu'il avait fui la Suède au moment des guerres de religion, il y avait encore des familles, cette famille Posse, qui vivait là-bas et qui était une famille de notables. Et puis, je ne savais pas qui roulait à gauche. Donc, j'étais du mauvais côté pour le stop. Bref, à un moment donné, il y a une voiture qui s'est arrêtée, de l'autre côté, mais qui allait à Oslo. Je l'ai su. Moi, j'avais ma balalaïka avec les petits drapeaux, et puis il m'a pris pour ne pas s'endormir et j'ai appris pendant la route qu'il allait à Oslo. Alors bon, j'ai dit pourquoi pas et on s'est retrouvés à Oslo.